Yo les gens, c'est Darking pour une nouvelle vidéo sur Palladium. Malheureusement je ne suis pas en jeu, j'espère que vous allez bien et pour ma part ça va nickel. Donc oui les gens, je ne suis pas en jeu car quand je tourne cette introduction, malheureusement Palladium est fermé pour le moment, mais j'ai réussi à record ma vidéo. Bref, merci en tout cas les gens pour tous les likes que vous me donnez en ce moment après plus de 3 mois d'inactivité presque sur YouTube. Franchement, mon retour sur YouTube, je ne pensais pas qu'il allait se faire comme ça, donc je vous remercie énormément. Pour cette vidéo, si nous pouvons encore atteindre les 1000 likes, ça me ferait juste super plaisir, donc n'hésitez pas à lâcher le plus gros pouce bleu que vous pouvez mettre. N'oubliez pas de vous abonner. Je rappelle qu'il y a énormément de personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne mais qui regardent quand même les vidéos, donc je vous invite à vous abonner. Et les gens, dès qu'on atteindra les 64 000 abonnés, je vous ferai un concours sur Discord, donc voilà. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon Discord. Ce concours, je ne sais pas encore ce que ça sera, mais ce sera un petit concours sur Palladium pour que vous puissiez bien commencer sur Palladium. Bref, moi je vous laisse sur la vidéo, c'était Darking. Bonne vidéo. Ok les gens, donc regardez, j'ai une tête de creeper, donc je suis juste super content les gens. Donc pourquoi j'ai réussi à avoir tout simplement une tête de creeper? C'est il y a des creepers qui ont spawné dans notre farm et du coup on a réussi à les entretuer. On a eu une tête de creeper. Donc moi j'ai une tête et Titouine a deux têtes. Une tête aussi, du coup on a deux têtes. Donc c'est juste super cool. Donc je suis vraiment tout simplement très content. Donc regardez, on va aller au home farm. Hop. Donc là on a masse de graines en palladium. Et en fait les creepers ont tout simplement spawné juste ici. Donc attendez. En fait les creepers ont spawné en haut en fait les gars. Ils ont spawné en haut. Donc attendez, j'ai pas envie de me faire bouillave en fait par un creeper, c'est ça le truc. Donc regardez. Là en fait j'ai un casque en palladium et si je l'enlève bah ça va pas être fou. Mais voilà, les creepers ont spawné juste ici vu qu'il n'y a pas de lumière. Donc pour le moment je vais laisser ça comme ça. Je vais pas reboucher, je vais laisser dans le noir cette salle. Et on verra si des creepers vont tout simplement spawn. Donc voilà, donc là je vais revenir en haut et je vais crafter un totem pour que voilà, ça pousse plus rapidement. Allez, à tout de suite. Les gens, donc je vais tout simplement aller au spawn et crafter notre premier totem. Donc on va tout simplement le faire ensemble. Donc en fait, what the fuck, je m'en bats les... Donc en fait, j'ai pas envie de dupliquer mes minerais. Pire fortune 3. Vas-y, je vais dupliquer 34. Je vais en dupliquer. Vas-y, je duplique tout. Je vais tout dupliquer. Je vais mettre ma tête de creeper là-dedans. Je vais aller au home grinder et je vais tout simplement dupliquer 64 minerais de palladium. Je vais avoir besoin de toute façon les gens, j'ai besoin de combien de blocs? J'ai besoin de 16 blocs de palladium. C'est beaucoup en vrai, c'est vraiment beaucoup. Donc je vais dupliquer tout ça, hop voilà, c'est parfait. Voilà, nickel, hop, on duplique nos petits minerais, excusez-moi. Donc je suis avec ma fortune 3, donc normalement ça devrait le faire. Voilà, parfait, c'est bon, j'ai réussi. Et du coup, nous sommes à 64 minerais et 30. Ah mais j'ai pas encore tout en fait, ok nickel. Bon, pas grave, hop hop hop. Donc il me faut ça, tac, voilà, nickel. Voilà, ok, j'ai déjà une coprest palladium. Putain, toutes les vidéos, je perds énormément de minerais de palladium, c'est ouf, mais écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Donc en fait, je pense que les creepers ont spawn parce que c'est une salle noire et du coup, bah, c'est où il fait tout sombre, du coup, bah, c'est nickel. Franchement, je suis juste super content. Donc voilà, je suis bien avec ma fortune 3, hein. Ouais, nickel. Hop, les parfaits, les gens, enfin, on va pouvoir nous faire notre petit premier totem. Je suis juste super content. Ok, voilà, nickel. On va faire un petit slash craft. Et on va tout simplement se faire masse de blocs de palladium. Voilà, j'en ai 9. Bah, c'est nickel. On va se faire notre premier compresse, notre deuxième compresse palladium. Parfait. Et maintenant, pour faire le totem, il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on fasse ça. C'est quoi après? C'est la tête de creeper. Ah, j'ai pas la tête de creeper, je suis con. Et bon, on va aller au spawn et on va se faire la tête de creep. On va prendre la tête de creeper. Elle est juste ici. Slash craft. Et on va tout simplement faire ça. Faire ça. Faire ça. Et voilà les gars. Premier totem. Je suis juste super content. Oh les gens, trop bien. On va aller home farm. Home farm. Hop, voilà, parfait. Et on va... Vas-y, je vais casser une graine. Tant pis. Je vais mettre le totem juste ici. Totem les gens. Enfin le totem. Tant attendu. Ok, nickel. Et je vais enregistrer. La zone d'action du totem a été sauvegardée. Et normalement ça devrait, voilà, ça pousse beaucoup. Ok, nickel, bon, on a notre premier totem. Normalement ça devrait être bon en vrai. Bon, on verra, en vrai on va voir. Il y a 103 joueurs de co. Après peut-être que le chunk il est où en fait, le chunk? Ok, donc peut-être que là ça va pas prendre en compte en fait. En fait je me suis chié dessus. Merde, je suis con, j'ai mal mis le totem. Bah écoutez, je vais attendre que toute la zone soit remplie. Et on se retrouve juste après. Bon, j'ai l'impression que ça va pas très vite hein. Ah, peut-être que c'est là où ça va assez vite. Ouais, ça va assez vite quand même, les gens. Bon, allez, on se retrouve juste après, dès que tout a poussé.
Bon les gens, on a changé de farm et du coup maintenant nous sommes chez la dans la farm à Ankacraft. Donc nous avons mis le petit totem et regardez, on a quand même un bon petit champ à palladium. Donc nous allons le récolter. Vous allez voir aussi combien de palladium j'ai pu me faire grâce au champ. Donc franchement, niveau farmer, niveau métier de farmer, j'avance très très bien. Je vais pas vous dire le level parce que ça sera une petite surprise. Dans 30 secondes, il y a le palalag time slash palalag time, donc 18 secondes, j'ai le temps. 13, non, je déconne, je vais pas tout le temps dire parce que sinon ça va être un peu chiant. Du coup, je prends, du coup, je donne la merde, J'ai pris, est-ce que j'ai tout pris? Ok, c'est bon. Là, j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais perdre ma graine en palladium. Bref, du coup, regardez les gens, je vais vous dire après combien de graines en palladium j'ai cassé, mais franchement, c'est juste énorme. Alors, je vais prendre tout ce champ déjà, donc on a déjà un chunk. Regardez en bas, j'ai pris masse XP pour le métier de farmer. Donc je vais replanter tout ça maintenant. Hop. Donc j'ai réussi aussi à en farmer 13. Donc je suis très 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 content là-dessus par contre. En vrai les gens, le totem vraiment c'est trop bien vraiment. Ça va nous aider de fou pour passer level 20 farmer. Donc du coup je vais monter et regardez, nous avons un nouveau champ en préparation. Donc deux champs. Ces deux champs. Le premier champ a été fait par T-Twin et moi, et là le deuxième c'est avec Anka, donc on est trois à bosser dessus, donc franchement c'est plutôt cool, car oui, T-Twin, Ankacraft et moi, nous sommes déjà level 15 farmer. Ah ouais, mais les gens, quand je vous dis qu'on est très très bien avancé, c'est pas des bobards, vraiment. Donc maintenant, je vais prendre tout ça, tac, voilà, nickel, je vais reposer tout ça, donc j'ai eu encore 6000 XP en plus, donc je suis très content. En vrai, je sais pas si je vous dis le level que je suis. Est-ce que je vous dis, est-ce que je vous dis pas? Je sais pas en vrai, ça peut être une surprise vidéo. En tout cas les gens, regardez aussi, j'ai plus de place. Hop, je vais juste mettre ça là. J'ai 6665 graines en améthyste et là il y en a 2000 de graines en améthyste, 2200. Donc bah voilà, c'est plutôt cool. Je vais enlever tout ça, voilà, nickel, parfait. Tac tac tac, ok, bah voilà, c'est parfait. Bah écoutez, nous les gens, je vais farmer encore, je vais essayer de farmer encore un petit peu plus. Et on se retrouve du coup dès que je recasse une deuxième fournée. Et peut-être que je me décierai peut-être à vous donner si j'ai beaucoup de level. Ok, Discord qui vient de se connecter, yes, on aime. Genre regardez, avec le totem, sans déconner, ça va très 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 vite. Donc j'ai déjà 4 graines en palladium, donc c'est plutôt cool. Donc on va prendre du coup les petites graines. Dans 30 secondes il y a un clear lag, donc ça c'est un petit peu chiant. Par contre faut que je fasse gaffe, par contre j'ai été un petit peu vite parce qu'il y a des graines qui n'ont pas été poussé, donc bon, faut que je fasse attention. Ok, je peux récupérer toutes les graines dans mon inventaire, ça c'est cool. Regardez en bas les gens combien de XP je me fais, franchement c'est juste trop bien. En fait j'ai pas envie de m'arrêter, j'ai envie de savoir combien d'XP je peux avoir en tout. Ok, c'est bon, nickel, le clear lag il est passé. J'ai envie de voir combien d'XP je peux me faire avec un chunk. Donc là je suis déjà à 6000 XP, donc c'est plutôt pas mal en vrai. Hop, donc maintenant je vais prendre toutes les graines qui ont poussé bien évidemment. Paf, 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 paf. Et voilà, nickel. Bon bah, on va replanter tout ça. Du coup, ah, 9990, bon, 10000 graines par étage. Enfin par chunk. Donc c'est plutôt cool en vrai, 10000 graines. Un seed planter c'est trop bien aussi les gens, vraiment. Donc là j'en ai plus de 42. Hop, tac, 3. Ah putain, j'en ai niqué 2 qui étaient pas poussés, fait chier. Je peux en mettre une seule en haut. Je vais pouvoir en mettre une seule en haut. Bah tout a poussé en vrai. Vas-y, bah T-Twin il est là. Je m'en fous, je le prends. Après je vais lui faire un cadeau. Après je vais lui faire un petit cadeau parce que T-Twin il a qu'un hammer. Un seed planter palladium, donc je vais lui faire un petit cadeau les gens. Je vais lui faire un petit seed planter en palladium parce que voilà, il le mérite. Donc 2700 XP, donc je suis plutôt content, ça a bien farmé. Hop hop, on remet tout du coup. Ok, aussi les gens, regardez combien j'ai pu me faire de palladium grâce au petit minerai, enfin grâce aux petites graines. J'arrive plus à parler, c'est horrible hein, vraiment. Du coup, je suis à 13 blocs de palladium. Je suis désolé si j'arrive plus à parler, il est juste 2h30 du matin. Je fais cette vidéo assez tard, divement. Voilà. Bref, du coup, je vais ranger tout ça là-dedans. Voilà, nickel. Donc maintenant, on va se faire un petit hammer. Hammer. Je sais pas ce que j'ai avec les hammer. Un petit seed planter pour monsieur T-Twin qui n'a pas de seed planter. Donc on va juste se faire du coup une compressée d'améthyste. Il nous faut quoi d'autre? Il nous faut du coup. Tac, tac, tac. Et voilà, parfait, nickel les gens. Il va avoir son petit seed planter déjà en améthyste. Bon, il s'en branle un peu de ça en vrai. Donc maintenant, on va prendre des blocs de titane. On va tout simplement se faire un petit truc comme ça. On va faire ça.
Et on va faire ça. Voilà, nickel. Et j'en ai pas fait assez. Voilà, parfait. Du coup, j'ai un Titan Seed Planter. Et du coup, maintenant, il faut que je me fasse un compresset palladium. Du coup, ça, c'est grâce aux graines. Hein. Donc, j'espère qu'il va être content. De toute façon, s'il est pas content... Voilà, je le défonce. S'il est pas content, je le défonce. Donc, maintenant, je mets ça juste ici. Et je fais un petit Palladium Seed Planter. Donc, je vais lui donner. Voilà, petit cadeau, mec. Et voilà les gens, ça va être la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Voilà l'objectif des 1000 likes. Et voilà, je vais vous donner le level farmer. Donc regardez, je suis déjà level 8 farmer, mineur, excusez-moi. Et là, regardez, je suis level 17 farmer. Donc voilà, je suis très très content. Level 17, donc ça avance très très vite. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. L'objectif des 1000 likes, ça me ferait juste super plaisir. Abonnez-vous, voilà. Beaucoup de personnes qui sont pas abonnées à la chaîne, bah n'hésitez vraiment pas à vous abonner. L'objectif des 64 000 abonnés le plus rapidement possible. Je vous fais confiance. Moi je vous laisse, c'était Dark King. On se retrouve demain pour un live et après-demain pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.